Bonjour à tous, je m'appelle Lily West et aujourd'hui on va apprendre une chorégraphie qui s'appelle Nancy Nancy de Zoé Carril, Johan Henderson Melvin et Martine Ragono. La musique s'appelle aussi Nancy Nancy du duo Mackenzie. La danse fait 32 temps, 4 murs, avec une introduction et deux tags, mais les trois se ressemblent énormément, sont quasiment identiques. Premier mur, un pas à droite, behind side cross, donc derrière, côté, devant, encore une fois, un pas à droite. Behind side cross, derrière, côté, devant, encore une fois, un pas à droite, et on touche simplement le pied gauche à côté de pied. On refait cette section-là, puisque ça nous fait déjà 8 ans. 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Et on refait la même chose de l'autre côté. Un pas à gauche, behind side cross, un pas à gauche, behind side cross, un pas à gauche et touch. Donc si on fait nos deux premières sections, 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Mais attention, la musique va être en ternaire au lieu d'être en binaire, donc pour faire simple, le « et » au lieu que ça fasse 1 et 2, et que le « et » soit vraiment au milieu du temps, le « et » va être un peu rapproché du temps suivant. Donc ça va nous faire 1 et 2, 3 et 4. Du coup, pour notre première section, on va compter 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8, etc. On va le faire ensemble. Les deux premières sections. 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Troisième section, talon droit en avant. On ramène le pied droit à côté du pied gauche, talon gauche en avant, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, et on fait deux step turn, donc step demi-tour à chaque fois, un pas en avant pied droit, demi-tour, on remet le poids du cœur sur le pied gauche, et encore une fois, un pas en avant pied droit, donc on remet le poids du cœur sur le pied droit, demi-tour, on remet le poids du cœur sur le pied gauche. Donc cette troisième section, ça nous donne talon droit, on ramène, talon gauche, on ramène, et step demi-tour, avec les comptes, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire nos trois premières sections. 6, 7, 8. 1, 2 et 3. 4, 5 et 6. 7, 8. 1, 2 et 3. 4, 5 et 6. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quatrième et dernière section. Pointe droite à droite. Talon droit toujours à droite et on ramène le pied droit à côté, pied gauche. Même chose de l'autre côté, pointe gauche à gauche, talon gauche à gauche et on ramène le pied gauche à côté, pied droit. Déjà, ça nous fait donc 1, 2 et 3, 4 et on ramène. Et là, 2, 8e de tour, un pas en avant, pied droit. 8e de tour, on remet le poids du cœur sur le pied gauche et à nouveau, un pas en avant, pied droit. 8e de tour et on remet le poids du cœur sur le pied gauche. Comme ça, on a fait un quart de tour, on est vers 9h. Notre chorégraphie est terminée, notre premier mur est terminé et on peut réattaquer avec le deuxième mur en partant à droite pour notre whip et le behind side cross. Si on refait notre dernière section, ça nous donne pointe, talon et pointe, talon et step huitième, step huitième. Et on repart à droite, behind side cross. Avec les comptes, à nouveau, cette quatrième section toujours, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4 et 5. 6, 7, 8, 1, 2 et 3, etc. Le premier mur en entier. 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et on peut réattaquer sur le deuxième mur. Pour la forme, on va faire le deuxième, troisième et quatrième mur sans s'arrêter. 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8, et on termine. Pour l'introduction, on va faire 4 fois des heel grind pied droit sans tourner. Ça nous donne talon droit en avant avec la pointe tournée vers l'intérieur. On met le poids du cœur sur le pied droit et sur le deuxième temps, on pivote la pointe vers l'extérieur et on remet le poids du cœur sur le pied gauche. Ça nous donne 1, 2. Et ensuite, on fait un rock step arrière droit, pied droit en arrière, on revient sur le pied gauche. Et ça, on va le faire 4 fois simplement. Ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, on peut démarrer la chorégraphie normale. Le premier tag, on va le retrouver après le troisième mur, donc face à 3 heures. Et on fait exactement comme l'introduction, donc des heel grind avec des rock step, mais cette fois-ci, nos heel grind, on va faire à chaque fois un quart de tour à droite. Comme on fait 4 heel grind, on fait un tour complet. Pour notre premier tag, on est face à 3 heures, on a fini notre troisième mur, et on fait notre heel grind avec un quart de tour. Donc, comme pour le heel grind sans tourner, on pose le talon droit en avant, on met le pied droit sur le pied droit, et on va pivoter d'un quart de tour sur le pied droit, et ensuite on met le pied gauche en arrière. Ça veut dire que c'est au moment où on fait notre pivot avec la pointe vers l'extérieur qu'on fait notre quart de tour. Donc ça va nous donner 1, 2, rock step, 3, 4, et même chose 4 fois, 5, 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le tag est terminé, on est revenu face à 3 heures, on peut démarrer notre quatrième mur, à droite et behind side cross. On essaye, juste le tag et on enchaîne. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, etc. Pour le deuxième tag, c'est la même chose, on se retrouve à nouveau face à 3 heures, mais après avoir fait 4 murs de plus à nouveau, donc on sera après le 7ème mur. C'est la même chose, on fait notre quart de tour à chaque fois sur les heel grind, mais on va rajouter un clap sur le 1 et. Donc attention, on est en ternaire, ça ne va pas faire 1 et 2, c'est 1 et 2. Donc toujours sur le 1 et 2. Voilà, juste 1 et, il y a deux claps. Et au lieu que notre tag fasse 16 temps, il va faire 32 temps, donc le double. On va faire 2 tours complets. On va faire 8 heel grind au lieu de 4. On essaye ensemble. 6, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, encore 4, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, et là on peut continuer à nouveau avec notre mur suivant à droite. Au niveau de l'introduction, on va laisser passer 32 temps et on démarre. Donc il y a 16 temps assez doux, ensuite 16 temps avec un violon, on démarre ici et on fait notre introduction avec les heel grind sans tourner, avec les 16 temps avec la guitare électrique. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le violon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, heel grind, rock, step, heel grind, rock, step, heel grind, rock, step, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7,
c'est parti.